Bonjour, mon nom est Pierre Castonguay. Bienvenue à mon podcast qui s'appelle Au lieu dit Baudru, là où pousse un chêne. Bienvenue au Baudru. C'est un lieu dit où on discute de plusieurs sujets. Et ce soir, nous discutons de Telaide. Telaide est une ressource essentielle. Alors, on peut rejoindre Telaide au 514-935-1101. 514-935-1101. C'est une ressource d'écoute téléphonique qui a été fondée en 1971 et c'est la première ressource d'écoute téléphonique au Québec. Telaide a pour mission d'offrir un service d'écoute en français et en anglais et c'est un service gratuit, anonyme et confidentiel. Et ce qui est étonnant, c'est que ce service est en continuum, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors, c'est un service accessible à toute personne qui souffre de solitude, de stress, qui est en détresse psychologique ou en colère, ou qui simplement a besoin de se confier à quelqu'un qui l'écoutera sans juger. C'est quelque chose. Alors, de quelle manière concrète s'articule telle aide? Bon, le service a reçu plus de 2 millions d'appels depuis sa fondation. Au cours de l'année 2017-2018 seulement, les quelques 125 écoutants bénévoles ont reçu à plus de 24 500 appels et ils ont offert bénévolement 11 265 heures d'écoute. Quand on constate au quotidien l'ampleur grandissante de la détresse mentale au Québec et de la violence sous diverses formes, au sein de la population en général, le conseil d'administration a donc plus que jamais à cœur de garder bien vivante la mission de Telaide et de faire grandir au sein de la communauté montréalaise cette mission essentielle. Alors, ils ont des valeurs, évidemment, ces gens-là. Leurs valeurs, c'est une philosophie fondée sur le respect, l'empathie, l'authenticité vis-à-vis de la personne qui appelle. Ils adhèrent à la pensée de l'école de psychologie humaniste, donc on pense encore au chef de file de cette pensée humaniste qui est Roger, qui veut que la personne la mieux qualifiée pour trouver les solutions à ses problèmes soit la personne elle-même. Les valeurs qu'il préconise ont pour objet de garantir aux usagers de leur service la possibilité de s'exprimer en toute confiance, quel que soit l'écoutant qui répond. Telaide, c'est une espèce de lingot d'or dans l'ensemble des ressources qui œuvrent à apaiser, contenir, soulager la violence, la colère, la déconvenue de certains et certaines de nos citoyens. Alors c'est quelque chose de merveilleux que cette ressource, et c'est sur cet étonnement, cette satisfaction de savoir que Telaide existe encore et que Telaide prospère dans sa mission, que nous terminons
ce podcast aujourd'hui du Baudru. Alors, au prochain podcast,